Giacometti, on a aussi un peu l'impression que vos personnages sont très fragiles, très vulnérables. Quoi, spécialement ceux-là que vous venez de... menacer presque. Oui. Ben, peut-être. Ils sont... C'est peut-être par là qu'ils seraient un petit peu ressemblants. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non? Des êtres vivants. Comme si ils devaient faire. À chaque instant, il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Et ça, je le ressens chaque fois que je travaille d'après nature. Ce qui est aussi une façon de dire que vous les sentez menacés par la mort, par exemple. Ben oui, évidemment. C'est la seule menace, en fait, non? De la disparition. Et d'ailleurs, ce matin, vous me racontiez que un jour, vous avez vu cela de vous-même, mais ça a été quelque chose de brutal. Je pense que cette aventure que je vous ai racontée ce matin, qui joue un rôle... déterminant. Qui a un très grand rôle là-dedans, non? Probablement. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez, pour vous, jusque-là, la mort, c'était quelque chose qui se produisait avec solennité. Oui, je l'avais jamais vu. Et puis, la voyant, vous avez vu que c'était... c'était quelque chose de terrible. N'est-ce pas? J'avais pas le sentiment, jusqu'à là, de cette fragilité. Parce que les peu de cas de mort que je connaissais, ça avait l'air de se passer. Enfin, je n'avais jamais réellement vu de près. Hein? Donc, comme si la vie avait beaucoup plus de... que ce qu'on peut dire de force ou de persistance ou permanence, non, je ne trouve pas le mot exact. Mais enfin, comme si la mort était quelque chose de, oui, encore valorisant la vie, lui donnant un petit côté même solennel, non? Comme si on avait le temps de s'y préparer. Et quand j'ai constaté comment cela se pouvait se passer, à l'instant même, tout, du moment que j'ai vu de la manière dont cette personne est morte, non? L'instant même, tout était aussi menacé, n'est-ce pas? J'aurais ressenti à un tel point que la nuit même, je n'osais plus m'endormir. Où je m'endormais, je me retrouvais la bouche ouverte, n'est-ce pas? Comme le mourant. Alors, par une espèce de terreur, je secouais la tête, je me réveillais et je faisais tout pour ne plus dormir. Et c'est de là que je n'osais plus être dans le noir. Comme je vous ai dit ce matin, depuis ça fait 40 ans de là, je n'ai plus jamais dormi une seule nuit dans le noir. C'est-à-dire, j'ai toujours la lumière jusqu'au jour. Comme si le noir, c'est enfantin, bien entendu. C'est très bien qu'on n'est pas plus menacé dans le noir qu'en plein soleil. On peut se demander aussi, Giacometti, si finalement votre rôle de sculpteur, de peintre, d'artiste, ce n'est pas justement d'essayer de sauver le modèle de cette mort qu'il menace. Ben, de certaines manières, je crois que qu'on fasse de la sculpture ou de la peinture ou qu'on écrive ou n'importe quelle activité de ce genre, c'est toujours pour donner une certaine permanence à ceux qui fuient, non? Ce qui fait que finalement, vous ne cherchez pas seulement à voir ce que vous voyez, mais vous cherchez aussi à donner à ce que vous voyez une sorte de permanence, une sorte d'éternité presque. À la base, c'est sûrement ça. Mais comme... oui, le moteur pour quoi on travaille, c'est sûrement pour donner de la permanence à ceux qui passent. Donner de la permanence à ceux qui passent. Cette phrase, tout à coup, nous offre la clé pour nous approcher de ces natures mortes aux pommes.
Peu à peu, il devient évident que Giacometti a peint ses fruits exactement comme il peint le visage humain, avec la même volonté de suspendre l'usure du temps, avec le même désir volontaire de nous donner une représentation d'un monde extérieur que son regard sauve en quelque sorte du pourrissement et de la mort. Un peu comme si la touche de son pinceau transformait l'objet si fragile en un bronze inaltérable. C'est pour ça qu'on peut faire des sculptures des personnages ou des bêtes, on fait difficilement la sculpture d'un caillou. Même si un caillou passe exactement comme une personne, non? Et plus lentement. Enfin. Mais même si c'est là le moteur profond, je pense que ça l'est bel et bien pour tout le monde qui agit, mais pas seulement qui fait de la sculpture ou qui fait de l'art, même pour tous ceux qui parlent et qui racontent une histoire. Tout le monde a le besoin, admettons qu'il fasse un voyage ou qu'il passe une soirée avec quelqu'un ou un autre, de le raconter. C'est pas? Le fait de le raconter, c'est déjà de le recréer. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, tout le monde fait de l'art, non? Réinvente les histoires. Si le besoin de garder les choses est plus grand, c'est-à-dire qu'on est plus sensible à la fragilité, on est obligé de l'écrire. Selon, on l'écrit, on fait des peintures ou de la musique ou n'importe quoi. Mais enfin, le fait déjà de raconter, c'est de donner vraiment la réalité. On passe la journée à recréer les moindres moments. C'est-à-dire qu'il fait beau temps, ce jambon est bon, enfin, t'as mauvaise mine, enfin... C'est pour ça que vous êtes un peintre de la mémoire aussi. Ben, et puis alors, il y a le cas formidable, c'est de tous les grands chefs d'armée, que ce soit César ou Napoléon ou d'autres, ça ne leur suffit pas de faire des batailles, de gagner des batailles, d'agir dans la vie, de bouleverser le monde. Dès qu'ils peuvent, ils écrivent leur mémoire. Comme si ils avaient peur que s'ils n'écrivent pas, tout ça passe à l'oubli. Et ne soit pas produit. Juste César, il existe plus à travers la guerre de Gaulle, non? Que par ses actes. Dire le besoin, c'est sûrement toujours de donner de la permanence à l'existence. Mais pour moi, la question se pose plus, parce que ça donnait. J'essaie à faire une tête, c'est entendu, quand on l'a fait. Mais alors, la difficulté de la faire prend la première place. Donc, il ne s'agit plus de faire la sculpture pour donner une permanence à une tête. Il s'agit d'essayer simplement de pouvoir la faire. Alors, c'est évident qu'il y a même là un malentendu entre le travail que je fais et celui que regarde. Même si moi j'abandonne une chose, je l'abandonne toujours d'ailleurs, à demi-chemin, ou un quart de chemin, ou un millième de chemin, pour n'importe quel motif extérieur, du moment que je la laisse exister, ou je la laisse fondre, ou je l'expose, pour celui qui regarde, c'est bel et bien une chose finie. Hein? Je ne peux pas aller et dire, mais non, c'est pas ça, c'est pas fini. Alors, je n'ai que pas exposé. Donc, la manière de... Je ne peux pas voir les choses de la même manière que le regard celui du spectateur. C'est là où tout n'est que malentendu et